Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. En toute liberté, Freddy Mulongo. Bonjour. Julian Assange, le fondateur des Wikileaks, a dénoncé devant l'ONU à Genève un réseau transnational de surveillance qui se développe de manière incontrôlée. Julian Assange s'est exprimé à l'ONU à Genève par vidéoconférence depuis l'ambassade de l'Équateur à Londres. Dans un événement organisé en marge du Conseil des droits de l'homme par la mission d'Équateur sur les récentes révélations de pratiques d'espionnage, Julian Assange a appelé la communauté internationale à réagir sur une menace vraiment inquiétante, la création d'un réseau transnational de surveillance des États et des individus. Ce système mondial de surveillance se développe de manière complètement incontrôlée. Il est si secret, si compartimenté que plus personne ne comprend ce qui est en train de se passer, a déclaré via Skype Julian Assange devant plus de 200 personnes, diplomates, journalistes, représentants des ONG au Palais des Nations. Chaque individu dans cette salle est une cible, a-t-il dit aux participants. Ce réseau est constitué des services des renseignements des États-Unis et de ses alliés qui travaillent avec de nombreuses entreprises privées. Ces réseaux se développent de manière incontrôlée et c'est un nouveau monde secret qui peut conduire à l'effondrement des droits fondamentaux, a averti l'Australien. Il a dénoncé à la fois les organismes des cartes de crédit qui livrent leurs informations à Washington au mépris de la souveraineté nationale, les drones de moins en moins chers exécutant à distance des individus en dehors de toute procédure légale, l'espionnage des masses, la détention ou l'exil des journalistes et de leurs sources. Les frontières sont en état de décomposition, a affirmé Julian Assange en évoquant les risques d'une complète faillite des normes de droits humains basées sur la souveraineté des États. Si nous voulons conserver un ordre international civilisé, le seul espoir est de faire respecter les normes internationales, y compris par des sanctions politiques et des procédures légales, a déclaré le fondateur des Wikileaks. Il a appelé la communauté internationale et la société civile à se rassembler pour combattre cette évolution, y compris par l'adoption des nouvelles règles. Et lors du débat, l'expert indépendant pour la promotion d'un ordre démocratique équitable, Alfred Desayas, lui a fait écho en affirmant que le secret est l'ennemi de la démocratie. Il y a une guerre contre les lanceurs d'alerte, une guerre contre les journalistes indépendants. Le cas de Julian Assange est un cas emblématique d'une énorme importance pour les droits humains, a affirmé l'expert en demandant au Conseil des droits de l'homme de prendre position face à la détention illimitée de Julian Assange et au refus de la Grande-Bretagne de lui accorder un sauf-conduit hors de l'ambassade de l'Équateur. Le respect à la vie privée a fait l'objet d'une autre table ronde à l'ONU en marge du Conseil à l'initiative de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. Congo Telema, esika yo zali pona mboka na yo. Mwana Congo Telema, esika yo zali pona mboka na yo. En toute liberté, Freddy Mulongo. Bonjour. En Suisse, les trains sont à l'heure. Les trains sont propres. Les passagers ne bavardent pas à haute voix. Et les haut-parleurs vous annoncent toujours à des reprises l'arrêt suivant. Mais il y a aussi des contrôleurs qui ne font que leur boulot. Les CFF ont conservé pendant plus de 10 ans les noms des voyageurs sans ticket. L'illégalité de la pratique a été dénoncée par l'administration.
durant les 14 dernières années? Avez-vous été pincé sur une ligne de chemin de fer sans billet ou sans votre abonnement, simplement parce que vous l'aviez laissé à la maison? Si oui, il y a de fortes chances que votre nom ait figuré ou figure encore dans un fichier de l'ex-régie fédérale. Et cela, bien que le CFF ait l'obligation de purger leur liste après 2 ans. La compagnie du chemin de fer était donc dans l'illégalité, rapporte la Sonntag Zeitung. Cette politique a été découverte et dénoncée par les préposés fédérales à la protection des données au cours d'une inspection en 2012. Au total, les dossiers ont dû contenir l'identité de plus d'un demi-million d'usagers des transports publics. Une si longue conservation viole les principes du proportionnalité et donc la loi, a déclaré Eliane Schmid, représentante du préposé à la protection des données. Par ailleurs, il est étonnant que les détenteurs d'un titre de transport qui, par mégarde, l'avait un jour oublié, soient assimilés à des contrevenants. Les CFF ont reconnu les dysfonctionnements, selon leur porte-parole. Nous avons eu un problème technique qui n'a malheureusement pas été remarqué. Et sur ordre de la Confédération, les CFF ont éliminé toutes les données qui avaient plus de 2 ans, soit quelques 250 000 dossiers. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. En toute liberté, Freddy Mulongo. Bonjour. Un homme s'est immolé devant le palais des nations qui habite l'ONU à Genève. C'était le jeudi 5 septembre dernier au matin. C'est l'indice des éléments sur les tigres tamouls et des immolations au Tibet. Arrivé sur place vers 1h du matin, la police avait découvert l'homme allongé sur le dos, les corps en grande partie brûlés. Et à ses côtés se trouvait un jerrican fondu qui avait contenu de l'essence. Le lundi 9 septembre, dans l'après-midi, une centaine de personnes s'étaient rassemblées à la place des Nations, à l'endroit même où un homme s'était mis le feu. Un petit autel avait été dressé avec des fleurs, des bougies et la photo du défunt, afin de lui rendre hommage. Il était père de famille de 35 ans. Il était tamoul, bénéficiant d'un permis B, qui vivait en Valais et avait 3 enfants de 4, 6 et 10 ans. Des parents du défunt ont participé à la manifestation du recueillement. Le défunt était un membre actif du forum tamoul suisse. Vers 1h du matin, le 5 septembre, à l'heure de l'immolation, il avait appelé son père pour dire que son pays allait bientôt être libéré. De plus, on a retrouvé près du corps une photo du chef disparu des Tigres tamouls, la rébellion armée du nord du Sri Lanka, qui a déposé les armes en 2009. Nous voulions lui rendre hommage parce qu'il est mort pour notre pays, a dit un activiste tamoul. Et même si ce n'était pas lui, il fallait honorer cette personne qui est morte, quelle que soit sa nationalité et sa cause. Ce qu'il a fait n'est pas une solution, a estimé l'activiste tamoul qui a rappelé qu'un autre jeune tamoul s'était déjà immolé à la place des Nations en 2009. Si la guerre civile est officiellement terminée depuis 2009, la diaspora tamoul assure que les violences contre les tamouls, minorité ethnique en majorité hindoue, se poursuivent encore au Sri Lanka, pays à majorité bouddhiste. Nous voulons l'indépendance. Les génocides continuent, il y a des viols tous les jours, dénonce Kapilan Siva. Avant, au moins, les tigres nous défendaient. De jeunes tamouls réfugiés en Suisse ont récemment été expulsés au Sri Lanka où ils ont été kidnappés. Depuis, la Suisse a suspendu les renvois des tamouls. Fin août 2013, Navi Pillay, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dénonçait les violations des droits de l'homme au Sri Lanka.
Congo, Congo Telema. Moi na Congo Telema. Telema, esika yo zali pona mboka na yo. Moi na Congo Telema. Telema, esika yo zali pona mboka na yo.